Bonsoir à tous. Parfait. Je vais vous donc présenter un petit peu un retour d'expérience sur ce que l'on fait depuis maintenant quelques années sur les nouvelles générations d'outils numériques et collaboratifs. Et j'ai rajouté et français, un petit clin d'œil, parce qu'en fait, il y a beaucoup de communication autour des grands outils internationaux, notamment américains, mais il existe aussi des solutions françaises. Il y en a une tout à l'heure avec Cotranet, mais d'autres également qui travaillent sur d'autres secteurs. Hop, raté. Voilà, c'est bon. Alors, qui en est juste en une slide? On est éditeur de logiciels, on existe depuis 2000, donc on a un certain nombre d'années d'expérience. On est une entreprise innovante. Aujourd'hui, on affecte à peu près 35% de notre chiffre d'affaires à la R&D. On a eu plusieurs prix d'innovation. Et on va travailler aussi bien pour gérer des grands comptes opérateurs que pour des PME, pour fournir des solutions qui vont être adaptées sur mesure aux besoins de leurs clients. On fait 80% de notre business en marque blanche et en indirect. Voilà. Notre métier initial, c'était le mail, en fait, comme on le voit dans le logo en haut. Bien évidemment, ça a évolué depuis. Et l'email, comme vous l'avez dit tout à l'heure à plusieurs reprises, ça a été le premier outil pour collaborer. Et notre hantise, c'est un petit peu ce type de bureau. On voit beaucoup d'organisations, en fait, où la boîte de réception, ça ressemble à ça. En fait, où les gens entassent, et ce n'est pas parce que c'est une liste organisée dans votre Outlook que c'est forcément bien rangé. Donc, on essaye d'expliquer aux organisations qu'il faut faire des tri, qu'il faut travailler le partage de l'information, ne pas forcément mettre ses fichiers dans son mail, etc. Un certain nombre de pratiques. Mais j'irai, les collaborateurs souvent n'ont pas appris à travailler, c'est-à-dire qu'on leur a mis cet outil dans les mains, on ne les a pas formés. Et aujourd'hui, il existe très très peu de formation et de sensibilisation à l'usage des emails. Alors tout ça est en train d'évoluer, notamment avec l'arrivée du cloud. Ça a commencé à évoluer avec l'arrivée des smartphones qui ont permis en fait aux entreprises d'accéder à leurs emails, à leurs agendas, à leurs contacts. Ça a été un peu le début de la collaboration vraiment généralisée. Et depuis maintenant 3-4 ans, notamment avec l'arrivée de Google Apps et puis plus récemment la montée en puissance d'Office 365, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet et beaucoup d'entreprises qui ont franchi le cap. Alors, j'ai eu la chance, il y a une étude qui est sortie ce mois-ci de Gartner, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a une grosse, je dirais, emphase médiatique sur ces solutions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau mondial, Office 365, qui a pris le lead aujourd'hui au niveau des outils collaboratifs en termes de part de marché, ne représente que 8,5% des entreprises équipées. C'est une étude qui a été faite sur 40 000 entreprises au niveau mondial par Gartner. Et Google Apps, qui a perdu un peu de poids, alors qu'au niveau grand public, qui se développe très très bien, ne représente que 4,7% de part de marché. Donc ça veut dire que, j'irai pour les entreprises, et je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, qui sont des offreurs de services, il y a 87% encore du marché à adresser, et ils vont, j'irai donc, attendre des solutions. Alors, tout ne va pas passer dans le cloud. Il y a plusieurs types de cloud. Vous entendez parler de cloud privé, de cloud hybride, etc., etc. D'accord? Le cloud est intéressant parce qu'il permet de collaborer partout, tout le temps et quand on veut, avec des contraintes. Mais il existe des tas de solutions et donc il convient de bien les étudier. À côté de ça, il y a toute une génération d'outils qui arrivent. Donc beaucoup viennent des États-Unis, de start-up, des solutions gratuites ou presque, des solutions comme Slack par exemple, etc. Et c'est un petit peu je dirais, ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout un chacun peut déployer lui-même son outil pour son groupe de travail, pour son département, pour son organisation. Donc c'est très facile, c'est gratuit généralement, ça va devenir payant si vous voulez monter un petit peu en puissance, mais le problème de ces outils, c'est un petit peu que comme c'est gratuit, c'est vous qui êtes le client, c'est-à-dire que c'est vous qui devez faire le service et devez faire le support de vos collaborateurs. Donc, par exemple, aujourd'hui, pour ceux qui utilisent, je ne vais pas dire Uber, c'était pas Uber, c'était Airbnb, pardon. Si vous êtes offreur Airbnb, quand vous posez une question au support Airbnb, c'est pas Airbnb qui vous répond, c'est un autre collaborateur ou offreur hôte, comme ils disent dans leur jargon, d'Airbnb. Donc, ils mettent à support, ils mettent à contribution leur communauté pour faire le travail à leur place. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'ubérisation de l'économie. Et à côté de ça, à l'autre bout de la chaîne, en fait, il y a des prestataires de services de proximité qui sont là justement pour vous aider et pour vous accompagner. Et ces prestataires-là vont pouvoir vous aider et développer votre économie locale. Donc nous, notre philosophie, c'est dire aujourd'hui, finalement, la collaboration et le cloud, ça permet d'aider les entreprises à se concentrer sur leur cœur de métier. Donc on ne va pas non plus leur demander de paramétrer des outils.
Donc, quelle méthodologie on emploie? Bon, la première, c'est, j'irais, de ne pas migrer aveuglément sur une solution collaborative en ligne. Je dirais, il faut analyser vos besoins, est-ce que vous en avez besoin, etc. Si vous avez des solutions qui existent, il ne faut pas changer parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une offre gratuite qui vous garantit la gratuité de votre service pendant une année. Voilà. Ensuite, est-ce que vos infrastructures sont-elles cloud ready? J'ai l'exemple d'un client aujourd'hui qui est une petite PME qui pourtant est basée à Lyon, en plein centre, qui a mis tous ses documents sur Dropbox. Alors c'était merveilleux, ils avaient tous leurs documents. Simplement, en fait, chaque fois qu'un collaborateur accédait à un document, ça émettait une requête sur le réseau. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, que leur réseau saturait complètement parce que tout était en ligne. Donc, ce n'est pas simplement acheter du service en ligne, il faut aussi que vos infrastructures, vos PC, vos équipements soient disponibles. Donc ça, c'est relativement important. Quel est votre besoin en matière de maîtrise des données? Autre exemple, je dirais, on a dans nos clients une entreprise qui travaille dans le secteur du crédit d'impôt recherche. Et elle m'a dit, moi, aujourd'hui, je stocke toutes les données de mes clients, leur bilan, leur recherche et développement, leur bilan social, etc., etc. Ça, aujourd'hui, je ne veux pas me permettre de le mettre dans le cloud, parce que je suis garant de la conservation de ces données, et donc j'ai besoin. Donc c'est un choix, je dirais, de dire, aujourd'hui, je souhaite maîtriser mes données. Ce qui n'empêchera pas d'accéder à ces données à distance. Voilà. Analysez vos implications sociales. Aujourd'hui, autre exemple, j'aime bien beaucoup parler par exemple, on travaille pour une grosse entreprise qui, en fait, aujourd'hui, nous a dit, ben voilà, maintenant, de 17h le vendredi à 8h le lundi matin, je veux tout couper. Pourquoi? Parce qu'en fait, autrement, je me retrouvais avec des salariés qui me mettaient au prud'homme parce que je les faisais travailler le week-end, parce que je leur envoyais un mail ou qui me demandaient des heures supplémentaires. Donc, il y a des entreprises où ça se passe comme ça. Donc, je dirais tout ça, plus en fait l'interaction qu'il doit y avoir avec votre système d'information, votre annuaire d'entreprise, font que, je dirais, il faut bien analyser vos besoins avant de basculer directement. Alors, comment procéder? Donc déjà partir de vos données. Vos données, c'est votre patrimoine numérique, c'est votre savoir-faire, c'est vos produits, c'est vos clients, c'est vos contrats. D'accord ? Donc savoir qu'est-ce qu'on va partager, comment on va le partager. On ne va peut-être pas tout faire, effectivement, ça a été signalé auparavant, il faut peut-être y aller progressivement, c'est relativement important. D'accord ? Définir vos besoins, ensuite, à quoi j'accède, comment j'y accède, quand. Et puis après, vos outils. Aujourd'hui, je dirais, on n'est plus à l'ère du mainframe. Aujourd'hui, il existe des tas d'outils. Je ne crois pas qu'il existe, en tout cas, on n'a pas la prétention d'en avoir un outil qui est capable de tout faire. Donc, l'entreprise va plutôt travailler en matière d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir assembler différents outils suivant les différents services, et donc on va pouvoir trouver tel outil pour tel service, tel outil pour tel service, etc. Et le rôle de l'ASI sera peut-être plutôt d'accompagner, je dirais, pour maîtriser quand même, le déploiement de tous ces outils. Tester sur un groupe de travail et déployer par étapes, donc ça a déjà été dit effectivement par mes prédécesseurs, c'est des choses qui sont importantes. On ne va pas bouleverser, je dirais, l'entreprise du jour au lendemain comme ça. Alors les acteurs et les solutions, y en a deux types. Voilà. Il y a les GAFA, je pense que tout le monde sait ce que veut dire ce terme. Hein. Voilà. Donc c'est pratique parce que c'est sur étagère. Ça ne coûte pas forcément très très cher, mais dès qu'on monte en puissance au niveau d'une grande entreprise, par contre là, il va y avoir un certain nombre de coûts. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous on estime que c'est pratiquement bien adapté à une TPE qui va vouloir très rapidement un petit service sur étagère sans avoir à se préoccuper d'infrastructure ou quoi que ce soit. D'accord ? Et à l'autre côté, il y a des hébergeurs locaux qui sont garants du service et de la maîtrise de vos données. Voilà. Donc on est impliqué dans la French Tech aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la French Tech, ce ne sont pas que des startups, c'est aussi tout un écosystème local qui vise à dynamiser l'économie du numérique. Et donc, cette économie, ces hébergeurs peuvent s'appuyer sur des solutions, des éditeurs de logiciels de proximité qui seront capables de vous accompagner et de s'adapter à vos besoins. Donc, par opposition aux produits standards sur étagère. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Aujourd'hui, en fait, on a une solution collaborative, je dirais, qui permet en fait de reproduire l'ensemble des outils de base. Alors, on ne va pas effectivement dans le partage de documents, dans le partage de contenu. Donc, c'est un serveur c'est des services qui permettent de gérer tout ce qui est contact, agenda, fichier, de manière collaborative, très très simple. On a également des outils de sécurité, parce qu'en fait, partager les données, il faut aussi les sécuriser, il faut les archiver. Donc, il y a par exemple une loi en Allemagne qui existe, qui
qui statue, qui dit pardon, que l'ensemble des emails d'une entreprise sur 10 ans doivent pouvoir être conservés. Conserver ces mails sur 10 ans, c'est quand même relativement complexe. Donc il faut des outils. Donc pour ça, on a développé des solutions qui permettent d'archiver facilement, filtrer les pièces jointes, les déposer par exemple sur un espace de stockage de fichiers, etc. Donc c'est des solutions qui sont relativement simples et accessibles. Voilà. Et puis, j'irai un petit peu en avant-première, on a passé un accord avec une société anglaise qui s'appelle Collabora, qui permet en fait de reproduire en fait aujourd'hui par exemple l'équivalent d'un Google Docs sur d'autres technologies. Donc ce que l'on voit ici sur l'écran, je pense que c'est ça, voilà tout à fait. Donc là, c'est l'ouverture d'un document Word dans une fenêtre de notre application, qui est une application propriétaire, et qui s'appuie sur des composants LibreOffice. Alors, c'est du prototype, mais ça veut dire que demain, je dirais, comme on a vu aujourd'hui Office 365 évoluer très rapidement, on va avoir, d'ici quelques années, des alternatives européennes et françaises qui vont permettre de reproduire ce même type de service, je dirais, tout en maîtrisant l'hébergement de ces données, c'est-à-dire qui pourra être déployé, par exemple, sur le territoire français. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait également ? On fait, pour vous montrer qu'on n'est pas campé sur nos produits, on distribue par exemple des solutions Microsoft, on travaille avec un éditeur français du sud de la France qui s'appelle Lumvision, qui fait du partage de fichiers, et puis des manipulations de fax. Voilà. Quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, c'est à peu près 3 millions de boîtes mail en Europe pour 15 000 clients. Donc on a un réel savoir-faire sur ce déploiement de ce type de service. Voilà. Je vous remercie.